Salut, bienvenue dans ce cours de Pilates aujourd'hui. Et oui, on se retrouve de retour à la maison. Les vacances, c'est fini, mais pas mes cours en ligne. Donc, j'ai pensé à vous avec ce cours de Pilates pour améliorer votre posture, tonifier vos muscles profonds, abdos, dorsaux, fessiers. Et puis, voilà, bien bien renforcer son périnée. Super important dans la vie de tous les jours d'avoir un bon maintien des muscles posturaux. Prévenir les douleurs au niveau du dos. Voilà, dans la vie de tous les jours, quand vous faites des mouvements, c'est important. Quand vous marchez, quand vous travaillez, quand vous faites du ménage, c'est important d'avoir des bons muscles posturaux gainés pour éviter d'avoir des douleurs et des mauvaises postures qui s'installent. Alors, on commence par l'échauffement. On y va. On enroule les épaules. Allez, on va détendre. On inspire, on expire. On lève le bras et on va sur le côté. Rentrez le ventre, gainez. On revient, on inspire. Allez, on souffle. On va fléchir ici. Je vais mettre voilà un petit peu. Vous voyez, fléchissez. Vous allez venir faire des petits mouvements ici avec le bassin. Accentuer, revenez avant-arrière. Voilà. Et petit à petit, vous allez tout doucement aller de moins en moins loin, moins en moins ample les mouvements et trouver votre bassin neutre. D'accord? Donc là, moi, j'ai trouvé mon bassin neutre. C'est-à-dire que là, non, ça me tire dans le dos. Je ne suis pas en bassin neutre, ok? Là, ben non, pas trop non plus. Vous voyez, je ne suis pas dans une bonne position. Voilà, le bassin neutre, c'est tac, l'alignement des épaules du bassin. La posture dans laquelle vous sentez bien au niveau du dos. Une fois qu'on l'a, venir rentrer son ventre. Rentrer, rentrer, rentrer. Inspirez, expirez, creusez, creusez. Encore. On inspire avec le haut du corps, les côtes, la cage thoracique, le ventre. Expirez, creusez un peu plus. Encore. Ok, si vous avez bien le périnée, tac, engagez. Donc le périnée, c'est un muscle, tac, ici là, sous forme de hamac, qui va maintenir tous les viscères, tous les organes, la vessie, l'utérus pour les femmes, les intestins, tout ça. C'est pour ça que parfois, avec l'âge, on peut avoir des ptoses d'organes, des descentes d'organes, parce que le périnée n'est pas assez renforcé avec ses abdos. Donc pour le contracter, on va venir ben, comme si on se retenait d'aller aux toilettes. Donc, au niveau du pubis et du rectum. Hop, vous allez sentir que ça se contracte, un muscle intérieur. Voilà, c'est ça. Et on garde la contraction, on inspire. Et là, vous allez tout doucement enrouler votre tête et descendre le plus bas possible. Voilà. Détendez bien. Vous avez les jambes fléchies. Et on déroule. Reprenez la position. OK? Périnée engagée, bassin neutre, rentrez le ventre et on enroule. Et on revient. Ok. On va venir, tac, les pieds en canard. Voilà. Placer, rentrer le ventre et tac, on décolle. Donc vous allez décoller ici. Voilà. Fléchir,
et on revient. Sans reposer ses talons, rentrez le ventre. Voilà, essayez de garder votre équilibre. Fixez le regard, toujours les abdos engagés. Rentrez votre ventre pour engager le transverse, le muscle le plus profond et le périnée engagé toujours. Voilà, inspire, expire. Essaye de ne pas reposer tes talons. Voilà, inspire. Expire. Allez, encore deux. On reste, on repose les talons, les pieds en canard. Soufflez, inspirez. Étirez. Là, on va juste fléchir, pousser les fesses en arrière et on reste. Donc, ça donne ça. Voilà, hop. On reste, restez, restez. Poussez bien vos fesses en arrière, les pieds en canard, le dos plat, on regarde devant et on sourit. Inspirez, expirez. Allez, super. On reste, on reste, on reste avec les bras. Va chercher derrière, devant. Derrière, devant. Allez, encore. Inspire, expire. Inspire, expire. Tiens bon. Inspire, expire. 4. 3. Allez, c'est bien. 2. 1. Et on déroule doucement. Et on passe au sol. Ok. On va passer au sol. Vous êtes bien. Voilà. Installez sur votre tapis. Poussez vos fesses en arrière pour être bien assis. Hop, sur les deux os pointus. Là. On va s'enrouler. On va revenir, inspirer, expirer. Vous allez rentrer votre ventre, enrouler la tête, le dos et vous laisser aller en arrière. Voilà. Tout doucement, freinez, 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 freinez. Voilà. Inspirez. Et ici, on va devoir remonter hop, et s'allonger. Donc, une petite astuce. Si vous n'arrivez pas à remonter, je vous donne une astuce. Donc déjà ici, il faut retenir, retenir, retenir. Essayez de retenir. Voilà, le plus longtemps possible, ici. Inspirez pour remonter. Si c'est dur, vous posez les mains. Hop, vous aidez. Voilà, des bras. Et on va chercher devant. Ok? Donc, soit on le fait, les bras devant, sans céder. Si c'est vraiment difficile, je vous recommande vraiment de vous aider. Ça ne sert à rien de forcer sur les abdos, sur le dos. Donc, on est ici. Je remonte. Vous posez et hop. Voilà, super. Allez, encore. On rentre le ventre. Et freinez, 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 freinez. C'est-à-dire que vous serrez vos abdos le plus possible. Vous essayez de retenir, 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 retenir. Inspirez, expirez, serrez vos abdos, voilà, ancrez bien vos pieds dans le sol, aidez-vous avec vos talons, appuyez bien, et on enroule, encore, inspirez, allez, enroule, 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 retiens, 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 ancre bien tes pieds dans le sol. Inspire. Et là, pareil, tu appuies tes talons dans le sol ou tu t'aides avec les mains. Super. Quand vous êtes, voilà, ici, en bas, aidez-vous en mettant les pieds flex, flex, flex. Voilà, pas les pointes, flex. Et les pointes, on les met ici. Voilà. Dernière fois. Allez, engage, engage tes abdos, rentre le ventre.
tes pieds. Voilà, hop, reste. Là, tu peux amener les pieds flex. Ça t'aide. Voilà, reste, 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 reste. Inspire. Toujours pieds flex. Ancre bien et toi, rentre ton ventre. Et allonge. Super. Ok. Allez. On passe ici. Donc, on appuie sur le coude de l'avant-bras. Je fais attention à ce que mon coude soit sous mon épaule. Hein. Là, je ne suis pas dans l'alignement. Là, je suis dans l'alignement. Ok? Et de bien, tac, remonter votre haut du corps. Je tends une jambe. Je vais garder ma main ici en appui et je vais, tac, soulever et redescendre. Donc, je soulève avec la jambe qui est fléchie là. D'accord? Donc, je suis ici. Je prends appui. Hop, je lève les fesses et je reviens. Rentrez bien le ventre, toujours. Voilà, au pilates, on aspire le ventre, on engage ses abdos et le périnée. Expire, inspire. Essaie de bien redresser ton haut du corps, de l'éloigner du bras. Voilà. Vous allez soulever vos fesses. Hop, si vous pouvez, vous ne mettez pas la main, vous la mettez ici. Voilà. Inspire, expire. Vous avez deux options, soit ici, avec la main, soit là. Si vraiment c'est difficile, même comme ça, vous remettez là et vous levez juste les fesses. Cette jambe, elle reste fléchie également, ok? Donc, il y a trois options. Allez, expire, inspire. Expire, inspire. Reste bien dans l'alignement. Voilà, super. C'est bien. Allez, on en fait encore 4. 3. Allez, encore 2. 1. Et on revient. Super. Ici, on détend un petit peu. On enroule la tête. Et on fait la même chose de l'autre côté. Donc vous placez. Voilà. L'alignement d'épaule du coude. Hop. Je tends une jambe. Donc je remonte les options. On va commencer par celle-ci. Soit vous levez juste vos fesses. Les deux jambes fléchies restent au sol. Soit vous tendez une jambe. Elle est décollée. Gardez la main là. Hop. Voilà. Et soit la troisième option. Voilà. Vous levez la hanche, vous posez et vous reposez à chaque fois. Vous montez. Voilà. Allez, on y va. Allongez bien, allongez bien. Étirez-vous en même temps. Voilà. Super. Allez, si c'est trop dur, n'hésitez pas à poser ici. Hein. Voyez, on fait travailler les petits moyens fessiers. Aussi la taille. Allez, on souffle, on inspire. Allez, super. On en fait 4. 3. 2. Et 1. On revient, super. On ramène. Vous allez enrouler votre tête, vos épaules. Et on passe sur le dos. Voilà. Hop, déroulez doucement. Vous avez les jambes fléchies. Les pieds largeur du bassin, l'écartement. Ok? Je pose la tête. Là aussi, on va essayer de chercher son bassin neutre toujours. Vous voyez là, si vous cambrez trop, ça tire dans le dos. Donc, c'est normal de garder une petite courbure lombaire. C'est normal. Il faut la garder. C'est votre courbure naturelle. Mais ne pas l'accentuer ni être trop plaqué. Donc, c'est pour ça que votre courbure naturelle, c'est votre position neutre du bassin. Une fois que vous êtes bien, vous rentrez le ventre, vous engagez le périnée, les bras le long du corps. Les pieds sont largeur du bassin, mais on va resserrer ses genoux. Voilà. Genoux collés, les pieds écartés et on monte.
Donc là, on va engager un peu plus les adducteurs avec les fessiers et le bas du dos. Et on inspire, on descend, creusez toujours votre ventre. Allez, on y va, on souffle. On inspire. Allez, on souffle. On inspire. On souffle. On inspire. C'est bien. Expirez en haut, vous serrez vos fessiers, vous rentrez un peu plus le ventre. Vos genoux sont toujours bien, bien collés. Allez, déroulez doucement, vertèbre par vertèbre, rentrez votre ventre un peu plus, inspirez. Souffle. Voilà, on inspire. Encore, 8. Expire. Inspire. 7. Rentre ton ventre, monte bien haut. Tout doucement. 6. 5. 4. 4. Allez, 3. C'est bien. 2. Et sur le dernier, on va rester en haut. Reste. Serre. Prends ton ventre, serre les fessiers. Et là, on va écarter et resserrer les genoux. Les pieds restent bien fixes au sol. Inspire, expire, monte bien. On est poids du corps sur les omoplates, sur les épaules. Hein. Pas sur la tête, la nuque, c'est les épaules. Voilà, décollez votre dos. Inspire, expire. Allez, gaine bien ici. 8, 7, 6, 5, 4, 3. 2, 1, et on descend doucement et on ramène, super, à la poitrine. Alors, ici, hop, on revient en boule et on allonge, bras et jambes. On souffle. On inspire. Posez votre tête, les bras partent à l'opposé des jambes, en arrière et en avant les jambes. Souffle. Inspire. Souffle. Si vous avez du mal, gardez les jambes plutôt vers le haut. Hein, si ça tire trop, si vos abdos ne sont pas encore bien renforcés, ne cherchez pas à aller bas. Si on peut, hop, on va en bas. Voilà. Allez. Inspire. Expire. Reposez la tête à chaque fois. Allez, bloque pas ta respiration. Inspire, expire. 4, 3, 2, 1, et on revient. Ok. Soufflez, c'est bien, on étire. On va redresser, on prend appui et voilà, on va se placer. Donc les mains sous les épaules à peu près, la même écartement. Les genoux écartés, largeur des hanches. Et on va venir ancrer les pointes de pied dans le sol. Là, je vais décoller mes genoux légèrement. Je vais lever une jambe et je repose sans poser les genoux. Tac. Voilà, vous voyez que c'est mes genoux restent, je ne fais pas ça hein, en montant, vous voyez, les genoux restent au ras du sol, c'est tac, la jambe qui monte et qui revient. Rentrez le ventre, gainez, souffle, inspire, souffle, voilà, donc on peut un petit peu lever, mais c'est pas ça le mouvement, hein. Voilà, le genou reste bien fléchi, la jambe qui reste, voilà. La tête dans le prolongement du dos, on souffle. On inspire, souffle, inspire, souffle, allez c'est bien,
et travailler ses muscles profonds, ses cuisses également. Allez, 8. 5, tout travail ici, les bras, les jambes, abdos. 4, 3, 2, 1, et on relâche. Super. Ok. On va se placer sur les coudes. On va prendre les jambes, on va faire la planche. Donc là, pour avoir la bonne position de la planche, je regarde en bas, ma tête dans le prolongement du dos, je serre les fessiers, je rentre le ventre. Voilà. Et ici, je vais faire twist, twist, lève, lève. Donc une fois, c'est twist juste les hanches, les coudes restent au sol. Et une fois, je viens décoller un coude, tourner avec le twist. Twist, twist, on gaine. Et hop, on ouvre. Encore, rentre ton ventre vers les fessiers. Twist, twist. Et ouvre, grandis-toi, c'est bien. Abdos serrés. Twist, twist. Grandis-toi, c'est bien. Twist, allez. Ouvre. Ouvre. Encore. Souffle. Super. Dernière fois. Twist. Twist. Et on revient. Super. Étire-toi. Ça va toujours? Allez, on continue. Allez, je vais travailler son dos. Alors, ici, je vais monter, ouvrir Superman, revenir avec mes bras au niveau du front et reposer. Donc, je monte à la fois le haut du corps et les jambes. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 et 4. Là aussi, on va rentrer son ventre, aspirer le nombril, comme si le nombril, on voulait le toucher, faire toucher à la colonne. Et surtout, vous allez engager le périnée bien fort. On y va. Allonge tes jambes. Voilà. Serre. Bloque pas la respiration et inspire. Souffle. Inspire. Souffle. Inspire. Souffle. Inspire. Allez. Encore. 8. 7. Engage tout. Bloque pas ta respiration. 6. Souffle. Inspire. 5. 4. Excellent pour le dos. 3. Rentre le vent. 2. Et 1. Ok. Super. On va venir s'étirer. Un petit dernier. Donc, je vais venir fléchir ici, attraper sous mes genoux, relever. Voilà. Tac, vous montez les mollets parallèles au sol. Et ici, on ouvre, on revient. On ouvre, on revient. Gardez votre dos droit, rentrez votre ventre, important, et souffle,
gainer, gainer, gainer. Hein. Gainer, c'est rentrer votre ventre, serrer le périnée. Voilà. Allez, go. Relâchez vos épaules ici, voyez. Restez pas crispés. Détendez-vous. Inspirez. Expirez. Inspirez. Au fur et à mesure, ça va être vraiment inconscient. Hein. Vous allez contracter toujours le périnée et le ventre sans y penser, en inspirant, en expirant. Ouais, au début, c'est un peu difficile. Il faut vous concentrer, mais après, ça va tout seul. Là, je suis toute contractée, mon périnée, mes abdos. Inspire, expire. Allez, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, et on revient. Ok, super, on enroule. Allez, on va étirer un petit peu. Bien et on va essayer d'attraper ses pieds. Allez, inspirez, expirez, gardez le dos droit, regardez-moi et on souffle. Le dos est bien plat, on étire l'intérieur ici des cuisses. Détendez-vous, laissez-vous aller, là on va enrouler la tête et on pose les mains. Voilà, enroulez-vous complètement. On va étirer les adducteurs encore, on s'enroule, on rapproche la tête des pieds en expirant bien. On revient. On va resserrer, hop, on va dérouler doucement. Dérouler. Gardez vos pieds serrés, inspirez, étirez et on relâche. On inspire. Et on relâche. Merci pour ce cours. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Ce cours de Pilates et nous on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.